Le succès a-t-il le succès? Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. Please subscribe my channel. Chers passionnés de crypto-monnaie, chers followers, j'espère que vous allez bien. Voici l'airdrop du projet Cardano 2.0. Donc, si vous avez raté le Cardano, voici l'occasion de participer à l'airdrop Cardano 2.0. L'avantage de l'utilisation de notre token, on va un peu parcourir le white paper, c'est-à-dire le protocole du projet. Donc il y a la monnaie, il y a le porte, il y a la plateforme, il y a la plateforme de NFT, donc c'est-à-dire jeton non fongible, token non fongible, si on peut aussi le dire. Donc voici ici le cycle. Donc on voit les taxes, on voit les investisseurs, on voit les redistributeurs, on voit les contrats, les smart contrats, voilà. Et le projet ici en elle-même est basé sur la web, le web décentralized, voilà. Donc le Cardano, on va lister là rapidement. Le Cardano 2.0 est un projet communautaire axé sur l'éthique et le statut caritatif, voilà, caritatif de notre devise mère, voilà, la devise mère, si j'ose croire que c'est le Cardano lui-même en question, voilà. L'équipe de développement a travaillé sans relâche pour créer une communauté d'investisseurs axée sur l'avenir à long terme du projet, profitant des revenus passifs de leur contrôle, voilà, de leur contrôle, tout en s'engageant dans le développement de notre présence sur le web. Voilà, notre stratégie publicitaire. Voilà, de nos stratégies publicitaires, oui, c'est ce que je voulais dire, de nos magasins, voilà, ici, pour clôturer une fois, des marchés NFT et fonctionnalités supplémentaires et utilisation du lancement imminent de la blockchain Cardano. Donc la blockchain Cardano sera lancée bientôt, voilà. Donc voilà à peu près le protocole du projet, mais le but de cette vidéo est de vous montrer comment réclamer l'équivalent de 250 dollars, voilà les différents partenaires, l'équivalent de 250 dollars de Canada. Nous allons faire cela tout de suite. Il faut savoir que l'airdrop doit encore durer environ 77 jours, voilà. Et il y a possibilité d'acheter, vous pouvez acheter directement vos Cardano ici, là. Mais le but de cette vidéo est de vous montrer juste comment réclamer, parce qu'il s'agit pour nous de réclamer. Voilà, nous allons passer à l'action. Donc ici, on nous rappelle ici, la plateforme nous rappelle ici. Écoutez très bien les gars, c'est vraiment important ce que je suis en train de partager ici avec vous. Voilà, ici, le lagage aérien, c'est-à-dire l'airdrop. Ici, on nous permet de réclamer environ 10 Cardano, voilà, de revendiquer environ 10 Cardano 2.0, parce que c'est le 2.0. Et à chaque fois que nous allons référencer, nous allons obtenir comme ça 40% de BNB. C'est vraiment intéressant. Et 70% de Cardano 2.0. Voilà. Sur chaque lagage et vente. C'est très, très intéressant. Donc, c'est-à-dire, si tu réussis à partager le projet à 100 personnes, imagine 100 personnes qui réclament juste, tu vois, 40% à chaque fois. C'est-à-dire que ton taux de BNB doit pouvoir augmenter drastiquement, doit augmenter exponentiellement, c'est ce que je voulais dire, voilà. Donc, et il y a possibilité d'avoir toutes les informations nécessaires là concernant le smart contract. On a le smart contract là, on a le smart contract du Canada. Ici, on a la décimale, c'est 18, on a le symbole, voilà, on a toutes les informations nécessaires. Ici, c'est le Cardano 2.0 tokenization, voilà, tokenomic, voilà, c'est l'expression qu'ils ont utilisée ici, voilà, mais ici c'est le decentralized web decentralized, enfin, c'est un web decentralized, voilà. Donc maintenant je vais passer à l'action, je viendrai juste cliquer ici sur clean, voilà, sur clean airdrop, non, voilà, je clique juste là-bas et c'est fait, voilà, c'est fait, attendez, c'est fait, attendez, je sors ici, je viens là, voilà, c'est fait, voilà. Elle va me rediriger
Non, cependant, je vais plutôt aller sur Trust Wallet. Voilà, je vais aller sur Trust Wallet. Je vais aller sur Trust Wallet. Moi, je pensais que j'étais déjà dans le DApps de Trust Wallet, mais bon, ça va, je vais aller sur Trust Wallet rapidement. Sécurité, double sécurité. Voilà, je suis dans Trust Wallet ici. J'ai assez de Binance Smart Chain. Voilà, ça va. Je vais donc coller le lien d'affiliation que j'ai reçu là. Et c'est fait. Je colle le lien d'affiliation là. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc, une fois que le lien d'affiliation est collé, je vais me connecter à la Binance Smart Chain. Première des choses, changer le réseau en Binance Smart Chain. Voilà, c'est fait. Voilà, vous voyez bien là, Cardano 2.0 will create decentralized web. Voilà, decentralized web. Il est question de réclamer ici. Il est question de réclamer ici l'équivalent de 250 $. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de payer directement. Si on va essayer, on va simuler un paiement. Voilà, buy Cardano. On va un peu acheter pour voir ce que ça va nous proposer comme frais. Voilà. Ici, il nous propose environ 23 $ pour avoir 23 $. Voilà, là, je n'ai pas suffisamment de BNB ici, mais je vais juste réclamer. Je vais juste réclamer. Je vais juste venir ici, réclamer. Voilà, 10 Cardano. 10 Cardano, voilà, 2.0. Voilà, c'est fait. Je réclame. Voilà, voilà ce que ça me coûte. Moi, en tant qu'entrepreneur, donc, on va déjà essayer de détailler ces différentes informations-là. Ici, on a le coût de l'airdrop. Là, on a le réseau. Ici, nous avons le portefeuille, là nous avons le DApps, le browser. Ici nous avons les frais de les frais de gaz ou les frais de minage. Voilà, c'est vrai. Maintenant nous allons aller ici, là je vais négocier des frais. Ok, c'est fait, j'ai négocié les frais. Bon, là je vais cliquer là sur approuver pour confirmer ma transaction. Voilà, c'est fait, et je vais signer la transaction. Ok, c'est fait. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant je vais chercher le smart contract. Je vais copier le smart contract maintenant. Le smart contract, il est où? Il est là. Le smart contract, il est là. Copier le smart contract. Voilà. Copier l'adresse du smart contract. Voilà. Une fois que j'ai copié, je viens maintenant ici là. Je vais coller l'adresse du smart contract là directement. Ok, ça va. Je vais l'ajouter. Je change le réseau directement en Binance Smart Chain. Je clique sur voilà. Vous voyez, j'ai toutes les informations nécessaires à l'intégration dans mon Trust Wallet. J'ai ici le contrat intelligent. J'ai le nom du projet. J'ai le symbole ici. J'ai la décimale là. Ok, une fois que c'est fait, vous venez juste cliquer là sur terminer et c'est fait. Vous avez comme ça réclamé. Voilà, voici mes 10 ADA 2.0 que je viens de réclamer comme ça. Donc, imaginons, ça c'est l'équivalent de 250. C'est l'équivalent de 250. Avant de continuer, je vais aller sur Pocoin. Je vais aller sur Pocoin, vérifier bien la valeur parce que j'aime toujours partager des informations en gros et en détail. Voilà. Voilà, je vais aller sur Pocoin, je vais coller le smart contract là directement pour avoir déjà l'estimation en dollars. Voilà, vous voyez très bien qu'il est reconnu déjà. Voilà, donc c'est du sérieux. Voilà, on va essayer un peu de naviguer là. On va attendre que la plateforme charge. On va attendre que la plateforme charge. Bon, pour l'instant, comme je n'ai pas trop de réseau, je vais changer de réseau ici en Binance Smart Chain. Ça va, c'est fait. Je change le réseau en Binance Smart Chain. Là, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ça va sur Pocoin ici. Bon, ça va, il est déjà reconnu sur Pocoin. Donc, moi, je voulais voir, je voulais voir les différents graphiques, mais bon, ça va. Comme je n'ai pas assez de réseau, peut-être c'est pour ça que ça craint. Voilà, donc ça va. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, je vais rentrer encore sur Trust Wallet. Je vais aller copier mon adresse pour aller générer mon lien d'affiliation. Je reviens encore là. Je reviens encore si m'avait dans l'historique à ce Cardano point. Voilà, Cardano 2.0. Voilà, Cardano 2.0 que je vais venir coller. Voilà mon lien de référencement ici. Enter UR. Voilà, j'entre mon adresse, c'est fait. Voilà, mon adresse est entrée. J'ai linké et je copie. Voilà, c'est fait. Voici mon adresse ici que j'ai copié. Ici, on me rappelle encore qu'à chaque fois que je veux référencer, à chaque fois que je veux référencer le projet, je vais devoir gagner 40% de BNB et 70% de Cardano 2.0. Ça fait environ 110% de gain. Ce qui est encore intéressant, c'est les BNB. C'est les BNB que vous voyez ici qui sont vraiment importants. 40% de BNB, c'est énorme. Il y a des plateformes qui donnent 10%, d'autres qui donnent 30%.
d'autres qui donnent 20%. Voilà, ici, ils donnent jusqu'à 10%. 40%, c'est vraiment énorme. Donc, les gars, ne perdez pas de vue. Je laisserai toutes les informations en bas des pages pour vous permettre de réclamer ce projet. Donc, les gars, c'est pas du tout compliqué. Vous avez vu, le projet est là, le Cardano. Et c'est une monnaie qui est reconnue, c'est une monnaie. Et la blockchain sera créée également. Donc, les gars, si le projet vous a plu, n'hésitez pas de lâcher des pouces bleus pour m'encourager, pour essayer de m'encourager parce que réaliser des vidéos ça prend énormément de temps. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner également sur la chaîne YouTube si vous êtes vraiment passionné des crypto-monnaies, parce que je souhaiterais que ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube soient des passionnés. Si vous n'êtes pas passionné, ça ne sert à rien de vous abonner, parce que je veux des abonnés, je veux des vrais abonnés, je veux des abonnés actifs, voilà, sur la chaîne, des abonnés qui participent aux différents projets, voilà, parce qu'il y a plusieurs projets. Des projets émergents, des projets qui vous apporteront toujours de la valeur, voilà, des bons plans qui sont généralement postés sur la chaîne YouTube. Donc, les gars, si vous êtes passionné, abonnez-vous. Si tu n'es pas passionné de crypto-monnaie, ne t'abonne pas. Mais tu peux juste suivre. Et si plus tard tu es passionné, tu viens t'abonner. Parce que ce n'est pas une chaîne qui est là pour accueillir quiconque. On accueille uniquement les passionnés. Voilà, parce que nous sommes convaincus que grâce à la crypto-monnaie, nous serons des milliardaires dans les prochains mois, dans les prochaines années ou dans les prochaines semaines. Parce que je continue à partager des projets émergents, des projets où vous investissez peu, vous gagnez plus dans le long terme. À l'exemple du Saitama, le Saitama aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, vous allez retrouver cela dans les différentes playlists. Voilà, les gars. Donc, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, référencez-la. Beaucoup de pouces bleus, ça m'encourage encore à vous fournir plus de contenu, un contenu vraiment de qualité, un contenu qui vous apportera toujours de la valeur. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye. Vous voyez, ce sont comme ça des personnes qui me contactent de par le monde entier. Ils sont vraiment nombreux. Voilà, parce qu'ils sont vraiment, ils sont très très fiers. Ils sont contents du travail dont je fais. Merci encore pour vos encouragements. Et je vous encourage aussi à toujours participer au projet. Ne rien négliger. Parce qu'il est bien vrai, dans le temps, j'ai négligé plusieurs projets. J'ai négligé plusieurs projets. J'ai négligé le Shiba. J'ai négligé le Solana. Aujourd'hui, je regrette pourquoi j'avais négligé tous ces projets-là. Voilà. Aujourd'hui, je regrette pourquoi j'avais négligé tous ces projets-là. Donc, mais ne jamais négliger un projet intéressant, un projet émergent, un projet qui a une communauté. Nous savons très bien que le Cardano aujourd'hui a une communauté très très importante. Voilà. Donc, les gars, je ne veux pas être très très long. Donc, je laisserai toutes les informations utiles en bas de page pour vous. Lorsque je l'ai dit. La suite au prochain numéro, les gars. Bye bye. Oui, mes followers, chers abonnés, c'est à partager dans les réseaux, donc sur le canal Telegram et le groupe Telegram, c'est déjà là. Donc, vous pouvez aller déjà réclamer, vous pouvez aller déjà copier votre adresse, votre smart contract. Donc, ne perdez pas de vue cela. Donc, je laisserai aussi le. Je laisserai, oui, le lien d'affiliation de BScan. Voilà, parce que c'était le BScan pour pouvoir scanner directement. Je pense que cela est mieux au niveau de la chaîne YouTube. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, la suite au prochain mot, les gars, bye bye. Profitez bien de cet airdrop-ci. Donc, c'est 40% de BNB à chaque référencement. Donc,